tout le contexte du centre, il a changé. Tout ce qui est arrivée, sortie, entrée de cours, etc. Tout a changé. On est obligé de se laver les mains plusieurs fois par jour dès qu'on entre dans les salles. Le port du masque est obligatoire. On est obligé de garder des distances. On a eu du mal à s'y mettre. Enfin, moi, de ma part, j'ai eu du mal à m'y mettre au début. J'ai pas fait grand chose au début. Et on m'a appelé pour me dire du coup que j'avais du travail à la maison, qu'il y avait des exercices à faire. Je m'y suis mis et au final, ça nous fait réviser en partie tous les trucs qu'on a fait dans toute l'année et l'année dernière. Donc au final, ça nous a aidé un peu et ça nous a fait garder un niveau à peu près stable. Sinon, ça aurait été à cata. Je me mets pas en danger à venir, à part le fait des transports en commun où on fait attention. Sinon, dans l'enceinte du CFA, toutes les restrictions elles sont respectées, les contraintes sanitaires respectées, tout est respecté là-dessus. J'ai pris le temps de leur expliquer tout ce que j'attendais d'eux et tout ce qui était important par rapport à ces gestes barrières. Et ensuite, leur expliquer qu'on allait travailler d'une autre manière. Quoi. D'arrêter les binômes. D'habitude, nous travaillons avec des binômes en atelier, donc à deux par voiture. Quoi. Là, désormais, travailler chacun sur une voiture. Du coup, je n'avais pas obligatoirement toujours assez de postes par rapport à mes autres collègues pour pouvoir travailler. Donc du coup, il y en a certains qui travaillaient en salle avec l'ordinateur et qui étaient de nouveau sur Argo Lectude. Voilà, donc les différences, elles ont été principalement là, quoi. Ouais, même si j'ai un peu de mal, personnellement, pour des raisons personnelles suite à un accident, je préfère quand même le masque. La visière, je me sens un peu quand même enfermé. Alors, nous avions du travail à faire sur la plateforme Argo Lectude. Donc là, j'ai travaillé beaucoup par mail. Et pour certains groupes par SMS, voilà, même certains en Skype où c'est qu'on a fait des visioconférences, quoi. Voilà. Et donc j'ai tout le temps continué à rester en lien avec eux et de les faire travailler, mis à part évidemment quelques brebis galeuses, mais.